Alors depuis l'épidémie donc de ce virus international, c'est vrai que la vie des musiciens a été bouleversée, la vie des compositeurs, en l'occurrence des organistes. Il se trouve que moi je suis compositeur et je suis organiste. Donc en fait, ce qui est intéressant dans un cas comme le mien, c'est que l'organiste a évidemment beaucoup moins joué, mais par contre le compositeur a beaucoup plus composé, puisque ça a permis de me recentrer sur mes activités de composition. Évidemment, le problème, c'est qu'en même temps, des œuvres, par contre, qu'on compose ne sont pas toujours jouées, donc ça va être reporté dans des années futures. Alors, je pense que le programme d'aujourd'hui, il est centré sur la danse, on va dire, le rapport entre musique et danse. Parce que si on regarde bien, depuis la première pièce que je joue ce soir, qui est une transcription du Bourgeois Gentilhomme de Lully, donc c'est les pièces de Molière où il y avait des ballets, c'est une sorte d'ouverture de ce ballet. Et donc c'est une sorte de danse, transcrite d'une certaine manière. J'ai essayé que ce soit par les improvisations, que ce soit par les œuvres écrites en première partie, on est vraiment un kaléidoscope de la danse. Donc on aura cette pièce-là, mais après on aura une pièce de Bach, la fameuse fugue, qui est une sorte de gigue. C'est une fugue, mais c'est une gigue en même temps. La toccata de Widor, c'est une sorte de danse aussi infernale. Il y a un ostinato qui est une des pièces les plus connues que des organistes. Et puis évidemment, la transcription que j'ai faite des danses de Bartok. J'ai trouvé que c'était intéressant de donner ce type de musique à l'orgue pour montrer qu'on peut jouer aussi des musiques rythmiques, des musiques ancrées sur le corps, sur la danse, avec cet instrument à tuyaux. Alors, personnellement, j'adore mixer l'orgue, mettre l'orgue avec d'autres instruments. Et en tant que compositeur, j'ai écrit trois concertos, de nombreuses pièces avec percussions, qu'on a jouées d'ailleurs ici, souvent avec Maestro Valery Gergiev, tous les deux.
j'aime bien confronter l'orgue à d'autres. C'est un orchestre, l'orgue à part entière, mais justement, ça fait une sorte de double cœur quand on met l'orgue avec l'orchestre. Et donc, j'essaie de moi-même d'en écrire comme compositeur, et puis aujourd'hui, surtout, de rechercher du répertoire qu'on peut faire, et presque un peu oublié, parce que dans cette deuxième partie, vous allez voir qu'il y a des œuvres comme la pièce de Boelmann, par exemple, que je joue, est une pièce qui est pratiquement jamais jouée, y compris en France. Et cette pièce, il y a un très joli dialogue, vous allez voir, entre les instruments, le hautbois de l'orchestre, le hautbois de l'orgue. L'orgue est complètement inséré à l'intérieur de l'orchestre, ce n'est pas du tout en concerto. Et puis, évidemment, le fameux concerto de Poulenc, qui est une des œuvres du XXe siècle les plus jouées pour orgue et orchestre, qui est une œuvre à la fois de l'esprit français du Second Empire, un petit peu frivole, et en même temps, on sent le mysticisme à la recherche de sacré chez Poulenc, qui est la fin de ce concerto. On a l'impression d'avoir une sorte de messe lointaine. Et j'ai trouvé que ce concert, à la fois la frivolité, la légèreté, et puis à la fois la recherche un petit peu du sacré avec cette union entre l'orgue et l'orchestre. Mais je connais bien cet instrument parce que, d'une certaine manière, j'ai été dès le début lié à cet instrument. Je me souviens, j'étais à Paris, dans le bureau de l'Orchestre de Paris, et un jour, on me passe Maestro Valéry Gergiev au téléphone, et qui me demande « Est-ce que vous pouvez venir ?» et me donner l'avis sur cet orgue en tant que musicien français, comme c'est un orgue d'esthétique française. Il m'a téléphoné en septembre, en décembre, j'étais ici. Et à ce moment-là, j'ai découvert cet orgue et je crois que j'ai fait énormément de répertoires différents. Donc j'ai fait de la musique contemporaine, c'est-à-dire le premier concert que j'ai donné ici, c'était un récital de musique contemporaine. À la fois, on a joué énormément de choses avec orchestre, on a joué avec violon, on a joué avec violoncelle, avec contrebasse, avec cor, avec harpe. Et on a montré que cet orgue, il est très flexible. Et l'avantage de cet orgue dans cette salle, qui a une belle acoustique, c'est qu'on peut vraiment le mélanger à plein de choses. Ça devient aussi un orgue de chambre, et un peu comme certains orgues de salon, on va dire, à l'époque du 19e en France. Et donc je trouve que cet orgue a une grande flexibilité sonore, si j'avais quelque chose pour le résumer un petit peu depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Je ne le connaissais pas bien, mais je le voyais, à chaque fois il était là, à chaque fois je l'entendais, il y avait son enthousiasme, et un enthousiasme qu'il partageait à la fin des concerts. Il était, on sentait qu'il voulait participer au concert, même quand il l'avait lui-même organisé. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est de cet enthousiasme pour la musique, qui était vraiment débordant. C'est l'image que j'ai de lui jusqu'au dernier mois où je l'ai côtoyé.